Tu peux me dire qui tu es ? Ah, moi je suis Cécile Lusco et je suis salariée du Pays de l'Ardèche méridionale. Donc tu es salariée de l'Ardèche méridionale. Et donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est un comité syndical. Donc on est le 16 décembre. C'est un comité syndical, donc l'instance habituelle où les élus se réunissent. Et aujourd'hui elle est un petit peu particulière parce que les salariés et des élus ont mobilisé des personnes qui souhaitent, qui refusent la fin du pays de l'Ardèche méridionale. Et donc cette fin du pays, elle a été programmée pas depuis très longtemps, parce que ça a été quand même un événement qui a permis tout un ensemble de projets sur le développement du territoire. Et depuis quand alors ça a été voté? Pourquoi ça part de travers? Le 21 octobre dernier, ça a été voté. Et les élus se réunissent à nouveau aujourd'hui, notamment pour fermer les postes et puis pour décider finalement, probablement, de prolonger la vie du pays de manière à ce que le schéma de cohérence territoriale puisse perdurer. Le SCOT. Hein ? Le SCOT. D'accord. Et donc les salariés, ils sont dans quelle perspective là ? Les salariés, ils sont dans une perspective d'attente pour savoir si... alors les postes vont probablement être fermés. Du coup, il s'agit pour eux de retrouver du travail ailleurs. Les CDD ont été arrêtés suite à des fins de contrat. Et puis, il y a une personne en CDI des titulaires aussi, ils sont 10. Il s'agit pour eux de savoir justement quelle mission ils vont avoir à partir du 23 janvier, la date programmée de fin de pays. Parce que tout ce personnel-là, ce sont des gens qui ont des compétences Développement du territoire. Oui, des compétences de développement territorial, thématiques ou pas. Enfin, c'est des missions qui sont souvent transversales avec des compétences d'animation, de développement, de veille, etc. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas un ajustement de poste justement pour leur permettre de... À ce jour, on a une collègue qui est partie dans une des communautés de communes adhérentes du pays. On peut dire que, pour le coup, elle est mutée, reclassée. Une autre qui part dans une autre collectivité. Et les autres, il y en a deux qui vont être repris par une communauté de communes sur une période d'un an. Et pour les autres, encore pas franchement de solution. Et qu'est-ce que ça signifie vraiment, à un moment donné, dire arrêter ça, parce que l'expérience pour les élus leur semble pas positive? C'est quoi qu'ils font là? Ça, je préfère que vous leur demandiez à eux. D'accord. Bon, merci. Magouilleur! Magouilleur! Qui est porté effectivement par la région à l'heure actuelle, qui a mis en 2016, qui a mis un terme à toutes ces politiques actuelles, et qui fait que au moment où on a supprimé les réserves parlementaires pour les députés et les sénateurs, les conseillers régionaux sont désormais porteurs d'enveloppes qui distribuent à qui mieux, mais bien sûr pas à n'importe qui. Et qui s'investissait avec compétence, dévouement, avec
le territoire au cœur, et puis aujourd'hui, on se retrouvait au chômage et pense aux titulaires.